Bonjour à tous, dans l'Essentiel Éco aujourd'hui, un chèque numérique de 500 euros pour les petits cafés, hôtels, restaurants et aussi pour les libéraux. Ça avance sur la friche des casernes à Tours, un premier projet vient d'être validé, on en parle. Mais tout de suite, une usine bloquée à Romorantin, c'est celle des mobiliers de magasins Itab. L'usine Itab de Romorantin est sur la sellette et les salariés se mobilisent depuis quelques jours. Itab est un groupe suédois. La direction veut transférer la production de mobilier de magasins vers ses usines en Tchéquie et en Italie. Le site du Loir-et-Cher ne serait plus qu'un entrepôt pour le marché français. Cette usine emploie une soixantaine de personnes. Ils étaient encore plus d'une centaine avant la crise. Les salariés tentent de se faire entendre. Ils bloquent le site depuis le 4 février. Le bassin d'emploi de Romorantin et Montrichard paye un lourd tribut à la crise économique. Avec les fermetures annoncées de Daher et de Boiron, Itab envisage de fermer sa production avant la fin du mois de mars. Ça se débloque pour la friche des casernes à Tours. La ville de Tours et la CET, la société d'économie mixte qui gère cette enclave de 8 hectares en pleine ville, ont validé un premier projet, celui du promoteur immobilier tourangeau Quattro, associé à un géant français de l'immobilier Cogedim. Il y aura des bureaux, une crèche, une résidence étudiante et 270 logements, dont 30% de logements sociaux. Un point particulier, une maison de la forêt et du bois sera installée pour promouvoir la construction bois. Un projet porté par l'association Arbocentre. C'est sans doute l'argument d'ailleurs qui a convaincu le jury. Le bois concernera un quart de ce projet immobilier. Début des travaux en 2022 pour une livraison en 2024. On termine par une aide ciblée pour les TPE-PME de moins de 11 salariés, c'est le chèque numérique. Le gouvernement a prévu une aide de 500 euros pour les TPE-PME afin de les aider à développer leurs outils numériques, utiles pour mettre en place le paiement en ligne par exemple ou bien pour améliorer son site web. Sont concernés les artisans, commerçants, les hôteliers, cafetiers et restaurateurs et aussi les professions libérales. Une précision, seuls ceux qui sont touchés par les arrêtés de fermeture y ont droit. Donc ça exclut les artisans du bâtiment par exemple. La demande se remplit en ligne sur chèque.francenum.gouv.fr. À bientôt.